J'ai besoin au plus vite de la mise en place d'un cessez-le-feu, d'une voiture médicalisée ou en tout cas en bon état qui nous conduise jusqu'au Liban. Alors que les bombardements continuent à Homs, en Syrie, Edith Bouvier, journaliste du Figaro, qui a fait ses études à Toulouse, appelle à l'aide. Blessée aux jambes et souffrant de multiples fractures, elle demande à être opérée au plus vite. Elle a reçu les premiers soins sur place, mais doit désormais être évacuée. Après elle, c'est au tour de Paul Conroy, journaliste britannique, d'appeler à l'aide. La coordination des Syriens à Toulouse organise demain un rassemblement. C'est à 15h au Capitole.